La divine Diana Popova est sur le parquet de la Stadthalle de Vienne pour son exercice au ballon. Elle seule peut venir inquiéter Ekaterina Serebryanskaya dans l'optique d'un titre mondial. De petits pas ici en manège et en déboulé. Diana Popova qui s'exprime sur une orchestration des quatre saisons d'Antonio Vivaldi. Je puis vous dire que l'automne est très très beau ici à Vienne devant un tel spectacle. Oh, Diana Popova est vraiment extraordinaire cet après-midi à Vienne. Vous voyez les drapeaux bulgares qui s'agitent dans les travées. La compétition sera serrée vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vous rappelle que pour l'instant, cette Ekaterina Serebryanskaya qui mène la danse en compagnie de Maria Petrova et d'Amina Zaripova. Bien entendu, c'est l'école de l'Est qui est la plus présente ici lors de ces championnats du monde. Non, les notes de Diana Popova, vous ne les voyez pas encore sur votre écran, mais nous les voyons sur le grand tableau qui s'inscrit dans cette Stadthalle. Vous entendez le public qui siffle quelque peu ses notes. Diana Popova va venir terminer.